What the thing? So aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la recherche d'une soirée d'humour. Cela, je vous explique, ok? Basically, je veux partir une soirée d'humour, ok? Où est-ce que c'est moi qui va animer chaque semaine, ok? So, cet été, ok, j'en avais parti une qui était une soirée d'humour d'essai pour un peu tenter le terrain, voir comment ça fonctionne. Genre, juste un peu comprendre comment le fonctionnement d'une soirée d'humour se passe et tout. Fait que depuis là, j'avais arrêté en août parce que c'était comme la fin de l'été. Puis la fin de l'été, le mois de août, c'est pas le meilleur mois pour les artistes pour performer. La plupart des gens partent en voyage et tout. Fait que même les artistes aussi, c'est comme leur mois de genre break et tout. Puis habituellement, tout le monde revient en septembre parce que c'est la rentrée. Puis c'est comme la saison où tout le monde écrit, performe, pratique et tout en an pour l'été qui s'en vient, pour encore les festivals qui vont recommencer et tout. Les festivals, on a le festival de Zoufès, on a le festival Juste pour rire. Il y a tellement de festivals que je pourrais même pas commencer à toutes les énumérer pendant l'été. Mais basically, au courant de l'année, la plupart du temps, les humoristes qu'on fait, c'est qu'on écrit et on pratique beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis on joue dans des open mic, ok, pour se pratiquer et roder notre matériel. So là, présentement, moi, ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais aller chercher une soirée, un endroit où est-ce que je vais pouvoir partir ma soirée d'humour. So, maintenant, ok, pourquoi je veux partir une soirée d'humour? Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne tout en an, mais avant ça, ok, je vais juste vous montrer mon petit outfit, ok, peut-être. Vous voyez, ça, j'ai mis un pull, ok, j'ai mis un pull avec une espèce de, je vais en faire la vérité, ok. La vérité, c'est que c'est une robe, ok, et attends, je vais le montrer. À la base, c'est une robe comme ça, attendez, est-ce que vous voyez, je vais montrer ça, ok, c'est une robe comme ça, que basically, genre, tu penses que tu as du cou comme ça, puis t'as pris une espèce de tissu de nœud, que t'attaches dans le dos, que t'as comme le dos ouvert, sans passer à travers autour de ton cou comme ça. Fait que c'est vraiment comme sexy classique, you know? Mais il fait trop froid pour que je porte ça maintenant. Puis en plus, j'ai même pas encore. J'ai acheté cette l'été, au début de l'été, puis j'ai jamais porté comme moi. Puis les vêtements, honnêtement, j'ai tellement de vêtements que j'ai jamais porté encore. I don't know what I'm doing, ok? I don't know. So anyway, so this is the outfit of the day, ok? So j'ai mis la jupe comme ça. Là, j'ai mis des bottes. Là, j'ai mis des bottes comme ça, hautes, pour venir styler le tout. Do you see that? Bam! Bam! Bam, bitch! Do you see that? Ah! 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 Je vais dire! Fait que c'est ça. Fait que l'enfant, pour ceux qui ne savent pas, ok, pourquoi les gens parlent des soirées d'humour ou comment ça fonctionne, whatever, let me explain to you, ok? So, it's really simple. So, basically, à Montréal, ok, il y a quand même beaucoup de soirées d'humour, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de soirées d'humour pour le nombre d'humoristes qu'on est, ok? Fait que ça fait que, comme n'importe quoi dans la vie d'entreprendre, okay, plus que tu le fais, plus que tu t'améliores, right? 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 Ok, right. So, l'affaire, c'est que comme je vous dis, il y a des soirées d'humour, mais pour le nombre d'humoristes qu'on est, il n'y en a pas assez, ok? So, ce que ça fait que, basically, quand tu montes sur scène, tu donnes une performance et tout, puis que là, t'as le retour du public, est-ce que les gens y ont ri, est-ce que les gens n'ont pas ri, ou est-ce que tu vois qu'il y a des débuts de rire, mais c'est pas assez fort, tu sais, comme t'analyses ton numéro et tout. Après avoir analysé ton numéro, puis avoir vu le retour de ton public, ben, techniquement, ce que tu dois faire, c'est retourner sur scène, right? Genre, retourner, le refaire, pour voir si cette fois-ci, ça passe mieux ou pas, tu sais. C'est ça qui fait que, ben, il n'y a pas assez de soirée, parce que, au nombre d'humoristes qu'on est, tout le monde doit faire la même chose. Ça marche pas. Ça marche juste vraiment pas, ok? So, quand t'as une soirée, un, ça te permet de jouer régulièrement, de t'améliorer dans tes numéros et dans ton crowd work, ce qui est super excellent et tout. Ça te permet d'avoir aussi une certaine aise, de vraiment développer une certaine confiance, une certaine aise sur la scène. De un. De deux, ça t'amène à booker des gens. Fait que là, tu vas booker des gens, fait que tu vas rencontrer beaucoup d'artistes, beaucoup d'humoristes et tout, fait que tu vas te faire des amis, des amitiés et tout dans l'art, des gens qui ont déjà des soirées qui vont parfois même te dire « Ah, oh, book-moi ta soirée, je sais pas qu'elle amène », fait que ça fait des contacts comme ça déjà dans un qui ça te permet de jouer plus. C'est un peu une stratégie marketing aussi. So yeah, fait que ça te permet de faire des contacts, de rencontrer des gens, de te booker dans d'autres soirées, de te faire des liens pour d'autres soirées et tout dans l'art. Puis après ça aussi en même temps, ben, ça te permet de te faire connaître par le public. Mais qui connaissaient pas, parfois des gens qui venaient même pas de soirée du monde, hein, qui venaient chaud au restaurant en question, puis ils arrivent là avec une soirée du monde, ils sont comme ah, ok, why not, puis finalement ils adorent le vibe, ils rapportent des gens et tout, puis ils apprécient tout sur les réseaux sociaux et tout. Fait que tu sais, c'est vraiment comme, honnêtement, c'est vraiment que du plus. C'est que du plus, y a pas de négatif. Oui, il y a du négatif, mais ça c'est un peu. Est-ce que j'ai le temps de vous dire ça, live guys? Il est rendu quelle heure?
Mais en général, c'est vraiment bon pour un artiste. Donc, en général, c'est vraiment pour un artiste parce que ça lui permet beaucoup de grandir puis d'évoluer puis de grandir son cercle de contact et de. Ok? Donc, c'est ce que je m'en vais faire présentement parce que I need to get better to my shit, ok? Et de mettre une certaine discipline parce que je pense que. Ok, laisse-moi vous donner les affaires. Qu'est-ce que tu penses que je m'assieds pour vous parler? Que je m'assieds comme ça, on est bien, on discute, on est tranquille, on n'est pas stressé parce que là, je vous parle de vous parce que dans ma tête, je suis comme We gotta go, guys, we gotta go, miss. Je suis en train de vous parler, de tout vous faire l'explication du pourquoi, du comment, du comment, du pourquoi, du comment, tu comprends? Partir ma soirée d'humour, j'aurais voulu la partir aux 2 semaines, initialement, ok? Parce que je trouve que la partir chaque semaine, c'est beaucoup de travail au niveau de tu dois constamment être en train d'écrire, t'assurer que ton numéro, tes numéros, comme tes amis. Tu sais, je trouve juste que c'est vraiment plus intense, tu comprends? Je trouve que comme, si tu as fait aux 2 semaines, tu as le temps de jouer une soirée, je vais en même temps jouer la première semaine, tu vois ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, la semaine. Dans la semaine qui va, que tu finis, que tu fais ta soirée et tout, tu le travailles, ton numéro, tu l'améliores et tout, la semaine d'après, tu peux encore le peaufiner tout en an, tu es dans d'autres soirées et tout, la semaine d'après, tu reviens, ok? Puis tu remontes encore sur scène avec le même matériel, du nouveau matériel. Comme je trouve que ça donne du temps d'écriture, puis de c'est ça. Mais, j'ai un ami qui m'a dit, shout out à Jean-Michel. Jean-Michel, il m'a dit, non, Altesse, tu dois avoir une soirée chaque semaine. Chaque semaine, parce que justement, 2 semaines, t'es confortable. That's it. Ça veut dire que it's not the shit. Puis c'est vrai. Et c'est vraiment vrai. Et c'est vrai. 2 semaines, je serais trop confortable. Genre, je suis trop à l'aise, c'est parfait. 2 semaines, je suis pas stressée. Mais tu sais quoi, bitch? It ain't gonna work like that. Si je suis pas stressée, I need to be stressed. Mais un bon stress. I need to be like, okay, I need to work on my shit. I need to work on my crap. I don't have time to chill because next week I'm still on stage. And next week again. Tu comprends comme. So, that's for real. And that's real. And that's true. So, that's what I'm gonna do. I'm gonna do it every week. And I'm stressed, guys. I am stressed. Because I don't know if I'm able to write à cette vitesse-là. De deux, pour moi, avoir une soirée d'humour, c'est aussi quelque chose de très, très, très challengeant, ok? Parce que dans la vie, puis honnêtement, même pas juste une soirée d'humour, hein, mais en vrai, juste monter sur scène dans la vie, moi, c'est quelque chose qui me challenge constamment parce que ma plus grande insécurité dans la vie, c'est que je déteste la façon que je parle, genre, ok? Je trouve que je parle tellement mal, mais quand je vous dis je trouve que je parle mal, genre je trouve que je déparle, que je bégaye, que genre c'est incompréhensible quand je parle. Je parle super vite, ok? J'ai un, genre comment ça s'appelle, on m'avait déjà dit, c'est, je fais du bredouillement, ok? Je fais du bredouillement. Du bredouillement, basically, c'est que quelqu'un qui parle extrêmement vite, plus que la normale, ok? Je parle extrêmement vite, ok? Comment je peux expliquer bien le bredouillement? C'est comme si je parle tellement vite, ok, que pourquoi que parfois je m'enferme dans mes mots, puis pourquoi je bégaye, parce que le bégaiement c'est mais pourquoi que genre je déparle, ou que genre j'enfarge mes mots, ou que genre je crée des mots parfois avec un et l'autre, c'est parce que c'est comme si mon cerveau va tellement vite, ok? Tu sais, quand tu parles, ce que tu penses l'envoie à ta bouche, mais c'est le problème, c'est que mon cerveau pense tellement vite, et ma bouche va tellement vite aussi, mais le cerveau ça va plus vite que la bouche, ok? Et c'est là qu'il y a le décalement. Il y a un décalage, il y a quelque chose qui se passe, il y a une mauvaise connexion, ok? Fait que c'est ça que, c'est pour ça que parfois, quand je parle, je déparle, ou je mange mes mots ensemble, ou je crée des mots, je colle des mots ensemble. C'est comme si mon cerveau est en train de dire un mot, puis ma bouche est comme 2 mots derrière, ou 1 mot derrière. Fait que, en essayant de rattraper mon cerveau, ça fait comme des croisements de mots, des. Bro! Yes. Je dois vous dire que, comme, chaque fois que je monte sur scène, genre, chaque fois, moi, j'ai pas nécessairement peur de pas être drôle ou whatever, non, non, c'est vraiment de parler. Genre, ça me stresse à un point. Ça me met pas bien, tu comprends? Puis quand je vous dis que ma philosophie dans la vie, c'est comme where you're scared to go, that's exactly where you need to go. I'm the perfect example. Genre, comme I am scared to talk, and that's what I'm doing for. That's what I'm trying to do for a living. Il y a des gens, c'est vraiment bizarre, il y a des gens en particulier qui comme, ils ont un certain vibe qui met une certaine pression ou whatever on a que j'arrive pas à parler à côté d'eux. Genre c'est vraiment bizarre, il y a, comme, il y a des gens que je ne peux pas bien parler, que genre, je les évite à des points. Je suis comme, je peux pas être avec vous. Je peux pas être avec vous parce que honnêtement, vous avez quelque chose ou c'est peut-être moi qui en votre présence je suis stressée, peut-être que je veux trop vous plaire ou I don't know, mais j'arrive pas à parler puis je parle mal puis j'ai toujours l'air stupide de sa grand-mère. Stupide! Là, je rentre chez moi puis je suis comme. Je peux pas croire que j'ai. Puis en plus, tu sais, quand t'es stressé, parce que là, en plus, tu te rends compte que tu parles mal, nanana, tu essaies de te rattraper, ça fait encore plus du bordel. Comme, yo, à la fin, je rentre chez moi puis juste comme.
J'aurais dû plus avoir l'air plus conne que ça, genre. Plus conne, stupide que ça, genre. Hey, c'était un show à this point. You know what I'm saying? Yo, je vous dis, des gens, je suis juste comme, wow. Je peux même pas le croiser dans mes rêves, genre. C'est la honte à la vie, man. Même en enfer, si je le crois, c'est yo, je rebrouche chemin, hein, les gars. Tellement c'est la honte. Ah! Anyway, so yeah. So vraiment, pis genre, aussi une autre affaire, quand je suis fatiguée, ok, comme mettons je suis vraiment 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 fatiguée, genre, pis que j'ai pas beaucoup dormi, ou whatever, un an, ou que juste whatever, quand je suis fatiguée, yo, parfois mon cerveau déconnecte. Ah, quand je sais que mon cerveau déconnecte, là je suis stressée tout court d'être en public, là je suis stressée d'être dehors, parce que je suis juste comme Annie le go home le plus quick, parce que là ma bouche va juste plus faire de sens, point, genre tout ce qui sort dans ma bouche, c'est des mots qu'on ne connaît pas. Complètement inventé, puis j'arrive pas à les contrôler parce que bon, yo, déconnexion totale, yo, coupure d'électricité au maximum, bro. Même au point qu'elle n'a jamais eu, on dirait, parce que c'est une autre langue. Je suis dead. Aïe, yo, je vous jure, c'est vraiment comme une autre, yo, it's something else, ok? So, tout ça pour dire que ça, c'est vraiment ma plus grande insécurité, ok? Puis ma soirée d'humour, c'est une façon pour moi de, un, m'améliorer, mais de deux, vraiment comme aller, genre, me mettre out there. So yeah! Fait que là, il est rendu quelle heure? Je te dis ça, il est rendu présentement 6h05. So guys, là, j'ai fait une liste d'emplacements, de soirées que je... d'emplacements de bars que je vais aller visiter, ok? Donc, attendez, laissez-moi, je suis sur ma liste, ok, c'est ça, ici. Fait que là, sur ma liste, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 emplacements, ok? Mais sur les 13, j'en ai peut-être 1, 2, 3... Attends, 1, ah, ouais, 1, 2, oups! 1, 2, 3, 4... Que je suis vraiment genre. Bruh! J'aimerais savoir si tu avais ouvert en fait à avoir une soirée du monde. Moi je suis humoriste, puis j'ai dans le passé la soirée du monde. C'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui m'occupe de ça. Ok, so là, je viens de faire le premier emplacement, ok, qui était le Speakeasy. Et là, le gars m'a dit que pour l'instant, il n'est pas intéressé parce qu'il rentre dans sa plus grosse saison, ok? Ce qui veut dire que lui, il est fermé déjà à la base le dimanche, lundi, mardi... Non, excuse-moi, le lundi, mardi, mercredi. Donc, il est seulement ouvert le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bien entendu, le vendredi et le samedi pour ton d'humour, c'est off, il n'y a rien à faire. Essaie même pas de faire ça parce que les gens sont trop occupés à turn up. Fait que t'auras personne qui va venir écouter une soirée d'humour ces journées-là, ok? Le dimanche, ça m'intéresse même pas moi-même, ok? Le dimanche, la journée du repos, mais moi, je vais me faire chier, ok? Fait que sinon, il reste que le jeudi. Et là, il m'explique que sa plus grosse saison commence présentement parce que ça va être les parties de bureau, Halloween arrive, Noël va arriver par la suite, Thanksgiving et tout en a. Fait qu'il me dit que c'est sa plus grosse saison, fait qu'il n'aura pas le temps d'avoir une soirée d'humour parce qu'il va être toujours chargé. Fait que pour lui, c'est une perte de monopoliser une soirée pour l'humour. Donc là, il m'a dit de revenir en début d'année, ce qui veut dire en janvier, il m'a donné sa carte et tout. Le gars était super gentil. Ok, so là, je viens de faire la deuxième destination, ok, ça s'appelait le Upside Down Jazz, I think. En tout cas, je pense même pas que je l'ai bien dit, mais en tout cas, on s'en fout. Voilà, veux-tu pour dire que je ne crois pas que la personne va être intéressée dans la mesure que j'arrivais puis le gérant était déjà parti, déjà pour commencer. Fait que je l'ai manqué de genre quelques secondes, ce qui paraît. Mais mis à part ça, la personne qui m'a répondu m'a dit, m'a donné son email, m'a donné ses contacts et tout, super gentil. Mais après, j'ai posé des questions, puis j'ai demandé, est-ce que c'est ouvert tous les jours? Elle m'a dit, ouais, non, il est ouvert du mercredi au dimanche. Puis j'étais comme, ok, est-ce que vous avez des shows de jazz toutes les soirs? Puis elle m'a dit, oui. Les comptes ouvrir le mardi, mais probablement qu'ils vont faire aussi une soirée de jazz le mardi. Donc finalement, j'ai l'impression que je vais écrire, mais j'ai pas l'impression que ça va se donner parce que je pense que lui, c'est vraiment que du jazz. Et en plus, j'ai vu la clientèle qu'il y a. Je pense pas c'est mon genre de clientèle, là. Genre, regarde, on va se dire, là, moi, je suis vulgaire. Je suis vulgaire! C'est des gens toute classe qui écoutent du blues et du jazz. Forget it. Depuis que je travaille ici, on n'en a jamais eu, mais je ne sais pas. Okay. Pour tout ce qui est événement, groupe, bon spectacle, on va dire, c'est avec le propriétaire. Qui faut gérer ça. Courriel. Ok, je demande à toi qui était la gérante ici, ouais. Ok? Moi, je suis humoriste, je fais des soirées d'humour et tout, ouais. Et je me demandais, est-ce que tu penses que ce serait quelque chose qui l'intéresse d'avoir une soirée? C'est ça, j'ai pas l'intention de faire. Je suis désolée, je m'en souviens un peu. Mais bon, c'est correct.
OK, so là, j'ai fait deux emplacements, OK? Parce que en fait, je m'en allais à un emplacement, puis en passant sur... En roulant, j'ai croisé l'autre emplacement, j'ai fait OK, c'est bon. Fait que techniquement, les deux, c'est off. Parce que, bon, lui que j'ai passé devant sans faire exprès, mais ça vient tomber et tout, eux, ils sont genre en mode, ils roulent trop. C'est une passe qui roule trop. Ils ont pas besoin de soirée d'humour. Au contraire, ça va genre les enfarger. Fait qu'ils m'ont dit, honnêtement, à moins que ta soirée d'humour nous rapporte 20 000, laisse faire. Je suis comme, ah! On va laisser faire! Et là, la deuxième place que j'ai fait présentement, effectivement, pendant, je suis rendue à la quatrième place. Mais parce que là, je vous dis que j'ai fait deux endroits en même temps. Elle aussi, c'est Michel. En fait, j'ai même pas pu rencontrer le gérant. Tellement qu'il est occupé, puis j'ai regardé tout dans l'air. Puis le gars m'a dit, honnêtement, ici, là, on roule sa grand-mère la chienne. Fait que laisse faire. OK, pas grave. Next destination. Let's do this. Là, j'étais dans le vieux port de Montréal. Là, je m'en vais sur le plateau slash Saint-Denis. Je suis venue pour voir si le gérant était sur place. Non, il n'est pas sur place. Il n'est pas sur place, non. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir son contact pour le contacter, son email? Bien sûr, ça serait pour toi. En fait, moi je suis humoriste et j'aimerais vraiment être une personne de soirée d'humour ici. Wouh! OK, je viens de finir la cinquième place, OK. Et honnêtement, de toutes les places que j'ai faites, c'est la seule que j'ai envie de dire que comme... Ah! Ah! Maybe! Le gars était super gentil. Le gérant était pas sur place, mais il m'a donné sa carte et tout. Eh, où sa carte? Eh, où sa carte? Ok, c'est ça la carte, bro. Je peux pas perdre cette carte, laisse-moi la mettre. Ici. Ok, c'est ça. Il m'a donné sa carte et tout. Puis j'ai demandé, est-ce que tu peux passer un petit mot gentil pour moi? Puis il m'a dit, ben oui, avec un petit clin d'œil. J'étais comme, ok. That's why I dress every time I go out because. Ah! It pays! It pays for real, bro. Beauty pay, nigga. What am I gonna say? Beauty pay! Altesse. Bonjour Altesse. Yann, enchanté. Écoutez, moi je suis humoriste. Okay. Et écoutez, je voulais savoir si ça vous intéresserait d'avoir une soirée d'humour dans votre établissement. OK, so, j'ai tout fait les emplacements sur ma liste, à l'exception de genre deux que, entre-temps, je me suis juste dit, oh, tu sais quoi, pour vrai, c'est sûr qu'eux vont jamais dire oui, OK? So, attends bébé chien, attends, ce sera pas long mon chien. J'ai apporté mon chien avec moi parce que je vais pas laisser à la maison tout seul. Amilo, viens sur la caméra. Allô mon fils! Allô mon fils! Allô, mon garçon! Ok, deux secondes, ok? Donc, Milou, arrête. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un retour d'appel d'une des places que j'avais... Arrête, s'il te plaît, deux secondes. J'ai eu un retour d'appel... Milou, arrête, s'il te plaît! Chut! J'ai eu un retour d'appel d'une des places que j'avais initialement appelé pour aller le voir, puis en tout cas, bref... Il a l'air super intéressé, mais super intéressé. Après, j'ai eu une autre visite à une autre place que lui aussi a l'air super intéressé. Mais en fait, je sais pas si il est vraiment intéressé ou il a juste envie de me ploter. Parce que la vérité, c'est que la personne qui parlait était juste comme « Laisse-moi prendre ton number. Laisse-moi... » Puis toi, tu vas quoi dans la... C'est comme « Il me parle... » Ouais, ça l'a coupé. Donc en fait, c'est ça. Fait que le gars, il me parlait à moi. Fait qu'il était comme « Ouais, fait dans la vie, toi, tu fais quoi sinon à part ça? » J'étais genre... Là, on est là pour ça. Anyway! Regarde, on va voir, OK? Il m'a envoyé le numéro de son collègue qui s'occupe de tout ça. Après, j'ai fait une autre place. Puis, le gars était un peu pressé, mais je crois qu'il avait l'air de donner quand même des bons petits vibes. Puis, il m'a donné sa carte. Il m'a dit de contacter son collègue aussi qui s'occupait de tout ça et tout, blablabla. Donc, bref, ça pour dire que, pour de vrai, ça a commencé rough pour finir sur une lignée où est-ce que les gens sont comme en mode... Ah! OK, on y va! So, c'est ça. Fait que là, présentement, il est rendu 9h42. Je suis sortie de chez moi, il était quelle heure? Je suis sortie, je pense qu'il était 6h30, genre 6h40. Non, même pas! Même pas, parce que j'ai fini mon vidéo, il était 6h. Mes affaires, au début, quand je vous expliquais le tout, fait que je pense qu'il devait être comme 6h. Bro, ça fait longtemps que je dors. OK, so là, je m'apprête à aller voir un resto au bar, OK, pour leur proposer une soirée d'humour dans leur établissement. Là, on est le 6 octobre, OK? Fait que la première fois que j'avais été, c'était le 30 septembre. Fait que techniquement, ça fait à peu près 7 jours depuis la première fois, OK? La première fois que j'avais été, j'avais eu des réponses quand même positives de quelques établissements, OK? Dont un en particulier. Mais honnêtement, j'aime bien explorer mes options, OK? Puis la personne en question avec qui j'avais eu quand même une réponse positive et tout, il y avait quelques informations qui m'avaient divulguées, qui s'attendaient, que j'étais comme pas trop certaine. Fait que juste pour être sûr de vraiment comme bien explorer mes options, je refais un tour aujourd'hui, OK? Là, ce soir, j'ai à peu près 6 établissements sur ma liste, OK? Fait que je vais toutes les faire. Et en plus, je vais faire des retours d'appel, OK? Fait qu'en fait, il y avait des gens que j'avais laissé des messages, envoyé des emails, que j'avais pas reçu de réponse. Fait qu'aujourd'hui, on fait tout ça, OK? So,
let's do this shit. Okay, we're gonna find a place. We are going to find a place. Okay, trop, mais trop contente présentement. Okay, so là, je viens d'aller visiter 3 emplacements. Okay, la 3e place que j'ai visitée, okay, honnêtement, j'avais même pas l'intention de la visiter. Genre, à this point, je suis sur une rue où il y a beaucoup de restaurants et tout. Fait que je me disais, quoi, je vais juste faire le tour, voir, tu sais, on sait jamais ce qu'on peut faire. So, je pense avoir une place, puis je suis juste comme, let me go see. Je rentre là-dedans, je suis comme, wow, this is so cute. La vibe est nice et tout. Le monde est vraiment comme, tu sais, je sens que c'est une place chaleureuse et tout. Puis je suis comme, bro, ici, à Vendeur d'Humour, ça serait pas pin. Parce que, genre, tu vois que c'est une place. En fait, où est-ce que je suis présentement, c'est une rue où est-ce que, genre, c'est beaucoup. C'est une rue très, très occupée. Okay? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de passants, beaucoup de monde qui viennent. Puis c'est un quartier familial, un quartier où est-ce que. Je sais pas comment expliquer ça. C'est un quartier vraiment jeune, genre, you know what I'm saying? Genre, c'est comme. En tout cas, fait que je vois que l'emplacement est vraiment pas pin, que comme. La place est belle et tout, puis je suis comme, bro, ici, une soirée du monde, ça serait murder. So là, je suis juste comme, tu sais quoi, let me just go ask, because at this point, I just have nothing to lose. Fait que je suis juste comme, ok, fait que là, j'interpelle une des serveuses, puis je commence à y parler et tout, puis regarde, j'ai même pas fini ma phrase, qui est comme, une soirée du monde, puis je suis comme, oui, et comme, girl, ça fait longtemps qu'on en parle et tout, non, on est super intéressés, attends un instant. Je suis comme, ah, ok, elle me dit, assis-toi, là, je m'assis et tout. Le propriétaire, il vient, commence à me parler, super gentil, genre chaleureux, genre j'étais comme, waouh! Le gars était super gentil, il commence à me parler, ouais, ça fait longtemps qu'on en parle et tout, puis il me dit, c'est vraiment bizarre que tu es là aujourd'hui, parce qu'encore hier, on en parlait, ça doit faire à peu près 3-4 semaines qu'on en parle, quand même assez régulièrement, puis depuis qu'on a ouvert, c'est quelque chose qui nous a toujours intéressé, mais juste qu'on n'a jamais comme... eu la chance de concrétiser ça parce que finalement, tu sais, on en parle, mais on est occupé, fait qu'on oublie tout. Mais hier encore, on en parlait. Puis depuis quelques semaines, on en parle vraiment régulièrement. Puis là, tu passes aujourd'hui, puis juste comme, listen, j'avais même pas prévu de passer. J'ai juste passé, tu comprends? So, on a parlé pendant genre littéralement un 20 minutes. Il m'a offert une bière, on a parlé. Non. Le gars, elle a super intéressé. Comme, il veut ça, je veux ça. On a bien parlé, on a ri et tout. Fait que je suis comme, il y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Mais, il y a un petit bémol, OK? Le gars, il m'a dit que lui, il pense que ce serait peut-être préférable de la partir l'année prochaine, ok? Parce que là, il m'expliquait que, bon là, c'est le mois d'octobre, fait qu'il va y avoir Halloween qui s'en vient, après ça, c'est Noël, fait que c'est un petit peu chargé et tout, fait qu'il sait pas à quel point que maintenant, c'est peut-être le meilleur moment de partir la soirée. Mais encore une fois, il connaît pas ça nécessairement, tu comprends? Tu sais, je veux dire, même si t'as Halloween, tu vas pas fêter ça un mardi. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, genre, j'ai rien dit, mais c'est comme, t'inquiète, genre, je vais m'arranger avec ma collaboratrice et tout, avec qui je travaille pour ma soirée du ok? Puis, on va vraiment t'arriver avec un projet parce qu'il m'a dit, tu sais quoi, écris-moi tout ça, okay, prépare-moi ton projet, prépare-moi ton pitch, ok? Puis, envoie-moi un email bien détaillé de qu'est-ce que tu nous proposes, ok? Ouais, envoie-nous un email, ok? Puis, on va tout regarder ça, puis après ça, on va en parler et tout. Fait que bref, tout ça pour dire que... là, il faut que j'envoie le email, ok? Mais tu sais, ça, c'était comme, sois pas pressé parce que de toute façon, avec Halloween, Noël, là, fait que bref, regarde... Je vais faire mes affaires, ok? Puis avec ma collègue, on va s'arranger pour lui faire comprendre qu'il regarde, ok? Genre, même si on fait ça un mardi, ça va rien avoir à voir. Ça va pas affecter ta soirée d'Halloween ou Noël en tant que tel. Au contraire, c'est un plus, point. C'est juste un plus une soirée du monde, tu comprends? C'est un plus dans une soirée qui est morte habituellement. Fait que ça te fait juste. Ça fait juste tirer du monde, tu comprends? Fait que ça va pas rien déranger tes événements parce que c'est pas un événement mardi ou mercredi. Tu comprends? C'est un événement le vendredi, samedi. Événement comme ça, Halloween, Noël, c'est la fin de semaine, you know what I'm saying? Anyway, so! Je suis trop contente parce que, guys, si ça fonctionne, j'adore le vibe de la place. C'est une place où il y a beaucoup, 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 beaucoup d'achalandage. Fait que déjà, ça veut dire que j'ai pas besoin de me tuer à la tâche pour rapporter des gens. L'emplacement est beau, c'est grand, j'ai une bonne connexion avec le propriétaire et tout. Fait que, guys, guys, pray for me parce que, yo, cet emplacement... Ok, mis à part ça, là, j'ai fait 3 emplacements, dont celle-là, ok, j'en ai fait 2 autres, dont, en fait, j'en ai fait 4, ok, dont un que j'avais oublié qu'il y avait déjà une soirée là-bas, en fait, j'avais oublié, je pensais que c'était pas cet emplacement-là, je pensais qu'il y avait comme 2 restaurants avec le même nom, puis que c'était comme l'autre succursale, puis dans le fond, c'est la succursale en question que la soirée, et j'ai comme perdu mon temps pour celle-là, mais on s'en fout, j'ai pas perdu mon temps parce que sinon, je serais pas venue ici, sinon, right? Anyway, bref, ça pour dire qu'après ça, j'ai fait un autre emplacement, ok, celle-là, j'étais même pas certaine, juste pull-up, puis finalement, j'ai vu que la place était quand même vraiment belle, puis j'ai fait, ah, ça pourrait être possible. Fait que là, eux, il faut que je rappelle demain pour parler avec le gérant, ok. Après, j'ai fait un autre emplacement que j'ai vu que ça marcherait pas parce que la salle est juste pas bien découpée. Mais que j'ai appris que, parce qu'eux avaient 2 succursales, puis je savais qu'ils en avaient déjà un à leur première succursale. Fait que je venais voir celle-là parce que j'étais comme, peut-être que vous aussi serez intéressé à avoir une soirée du mois. Mais là, ils m'ont dit qu'en fait, la première succursale, la soirée était cancellée. Fait que finalement, elle est comme... Ouais, la première succursale, la soirée était cancellée. Fait que techniquement, la soirée maintenant, ben, l'emplacement, en fait, est libre. Fait que je suis comme, bro, c'est less! So,
c'est ça. Après ça, j'ai tombé sur elle, ce que je lui ai parlé au début. Fait que là, finalement, après ça, pour dire que comme bro, pour de vrai, aujourd'hui, ça a vraiment été fructifieux. Genre, fructifieux. C'est ce que ça se dit, fructifieux. Fructifieux. Que ça a vraiment été payant, ok? Je suis trop contente, gars. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente, genre, honnêtement. J'espère vraiment que la place que je vous parle, que je vous ai parlé de, au début, va fonctionner pour maintenant, avant l'hiver, ok? Mais si ça marche vraiment pas pour maintenant, je crois que je vais être patiente puis j'attends l'hiver parce que c'est vraiment un emplacement qui est comme... Mais en même temps, peut-être que si je trouvais un emplacement, je pourrais avoir une soirée maintenant, un emplacement, puis après ça, en hiver, changer d'emplacement. Mais la fois, c'est que j'ai pas envie de mélanger les gens, parce qu'après ça, si tu changes d'emplacement, les gens sont comme, bro, elle est où, elle? You know what I'm saying? Anyway, rendu là, on va en parler... On en parlera rendu là. Là, pour l'instant, on est juste comme à un moment où est-ce qu'on faut qu'on trouve la soirée. Déjà, pour commencer. Mais, guys. Guys, je suis tellement excitée. Ah! Anyway! Là, il me reste un emplacement à faire, OK? Il me reste juste un resto-bar à faire. Techniquement parlant, c'est pas trop loin de chez moi. Fait que je vais la faire en rentrant chez moi. Sinon, attends, frère, la vérité, c'est que je voulais aller sur... la Plaza Mont-Royal, ok? Parce que je sais que sur la Plaza Mont-Royal, il y a juste deux soirées d'humour, puis ils marchent quand même assez bien parce qu'ils n'avaient pas avant là-bas. Fait que ça, comme, ils ont été chercher, en fait, tout le public qui aimait l'humour dans cet emplacement-là, qui n'avait pas de soirée d'humour, qui sont comme super intéressés. Fait que je suis vraiment contente pour eux, mais je me demande si ça aurait peut-être une petite place pour moi. Fait que techniquement, pendant que je devais aller là-bas, mais genre, on sait que je suis juste lazy, là, il est rendu 7h30. J'ai envie de rentrer chez moi en vrai, genre, parce qu'il faut que j'aille faire de l'editing. Puis il me reste un emplacement à faire, puis j'ai pas encore mangé, puis blablabla, j'ai des affaires à faire. Fait que je suis comme, tu sais quoi, je pense que je vais rentrer chez moi parce que juste ce que je viens de faire aujourd'hui, je suis vraiment satisfaite. Alors que, en même temps, je vais sur la Plaza Saint-Hubert, j'ai même pas d'emplacement en tête. C'est juste, je marche. Ouais, c'est juste, je marche en espérant voir quelque chose qui va m'intéresser, puis aller leur parler et tout. Fait que, tu sais quoi, je pense que je vais rentrer chez moi parce que. Tard, 7h30, j'ai pas envie d'aller marcher. Genre, je pense que je ferais ça peut-être plus en journée, genre. La Plaza, parce que c'est quand même. Yo, la Plaza, c'est quand même long, hein. Genre, c'est pas une rue. C'est pas deux rues. C'est même pas juste trois rues. C'est genre des rues. Fait que tu sais quoi. Puis en plus, juste même autour de la Plaza, il y a quand même plusieurs petits restaurants autour de ça et tout. Fait que tu sais quoi. Si je peux faire la Plaza, j'ai envie de faire ça quand je suis en forme puis que je suis motivée de juste faire comme, OK, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On va marcher. And I don't give a damn. I'm gonna be. Walking till I find something. Ok, so je suis comme, tu sais quoi, là, c'est pas mon mood. Ça sert à rien d'aller gaspiller mon temps ou juste même gaspiller l'opportunité parce que la première est toujours importante. Fait que j'arrive là-bas, je suis fatiguée, ça va paraître. So c'est ça. Fait que. Next time. Ok, so là, on s'en va à mon dernier emplacement qui est proche de chez moi en rentrant. So let's do this. What's popping, guys? What's popping, guys? So, aujourd'hui, on est le 18 octobre, ok, il est présentement 11h54, il est 11h54, ok, so, le plan de la journée, grosse journée, ok, so, aujourd'hui, là, à midi et demi, ok, bien entendu, toujours late, you already know, ok, à midi et demi, j'ai mon rendez-vous pour mon laser, ok, après ça, ce soir, j'ai mon rendez-vous avec la personne avec qui je crois que je vais partir ma soirée du mois. En fait, pas la personne avec qui je crois que je vais partir, non. L'emplacement, ok, et mon partenaire, ma partenaire en fait, pour ma soirée du mois. Donc en fait, ce soir, on a un meeting pour discuter de comment qu'on va faire ça, la date de départ, blablabla, 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 blablabla. So, c'est ce soir à 19h, ok, et entre mon rendez-vous du laser et mon rendez-vous ce soir pour la soirée du mois et tout, je vais faire du montage vidéo parce que j'ai tourné pas mal de vidéos, mais genre, c'est vraiment stupide de ma part, genre, je tourne plein de vidéos, après ça, je suis juste comme, ok, maintenant, je vais commencer à éditer, mais genre, j'ai comme 6-7 de vidéos, genre, bref. Vraiment stupide de ma part, mais anyway, I'm gonna get better, I'm gonna get better, da, 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 da. Semaine. So, en quelque part avant Noël. Déjà, merci à tout le monde d'être venu ici.
je sais pas comment vous avez fait du temps dans votre horaire pour se rencontrer et pouvoir visiter tout ça.